Il y a certains jeux comme ça. Je parie que vous en avez un aussi. Soit vous aimez, soit vous détestez. Eh bien, Star Fox Zero pour la Wii U semble entrer en plein dans cette fâcheuse catégorie. Les contrôles avec le gyroscope sont entre autres une des raisons. C'est pourquoi il est maintenant temps de répondre à la question fatidique. Même si Star Fox Zero a tendance à diviser la vie des joueurs, c'est-tu le fun au final? Pour les moins familiers, laissez-moi vous faire un bref résumé des aventures de la Star Fox Team. Cette série de space shooters a débuté sur la Super Nintendo en 1993. Mettant en vedette Fox McCloud, Sleepy Todd, Pepe Hare ainsi que Falco Lombardi, ce jeu était plutôt révolutionnaire pour l'époque. Regardez ça, le monde était blown away, sérieux. La suite sur N64 l'était tout aussi. Star Fox 64 est entre autres le premier jeu à utiliser le Rumble Pack. Ensuite, ce fut Star Fox Adventure pour la Nintendo GameCube en 2002. Développé par Rareware, Star Fox Adventure est, comme son nom l'indique, un jeu d'aventure qui ne ressemble en rien aux deux autres titres. Ce jeu devrait avoir son épisode à lui seul, à vrai dire. Ça va venir, guys, inquiétez-vous pas. Après l'échec qu'a fait Adventure, Star Fox retournera à ses sources, le Space Shooter, ainsi que du Third Person Shooter. Ouais. Weird. Ce jeu sera également assez critiqué par les fans par ce fait même. Ensuite, ce fut Star Fox Command pour la Nintendo DS en 2006, ainsi qu'un remake de Star Fox 64 sur 3DS en 2011. Ce qui nous amène à Star Fox Zero sur Wii U en 2016. Star Fox Zero est un shooter sur rail développé par Platinum Games et édité par Nintendo. Zero n'est pas la suite de la série, mais bien un réimaginé du maintenant classique Star Fox 64. Qui rendit avec genre 2 ou 3 remakes, hein. C'est un peu incroyable. Guys, je sais que vous aimez ce jeu-là, mais faudrait passer à d'autres choses. En fait, Star Fox Zero suit la trame narrative de Star Fox 64 de très près, avec ses quelques additions et changements. Les mêmes personnages sont de retour, racontant pratiquement la même histoire, et le prologue est d'ailleurs identique à celui de 64. Aux images près. En cours de jeu, par contre, c'est différent. On y explore quelques planètes de Star Fox 64, mais la plupart des zones sont totalement nouvelles, ce qui donne un total de 12 missions principales ainsi que 10 missions bonus. Zero est vraiment pas un long jeu par conséquent. Je dirais que ça prend 3 à 4 heures de jeu pour terminer la quête principale. Ce qui est correct selon moi. Eh non, les Star Fox n'ont jamais été ben longs. On peut pas y en vouloir pour ça. Là. Malgré cela, il offre tout de même de la rejouabilité. Chaque mission principale contient 5 médailles à trouver. Pour les missions bonus que l'on débloque en prenant des routes alternatives ou en interagissant avec certains éléments du stage, il y a parfois une médaille à collecter. Pour un grand total de 70 médailles. Ces petites médailles sont souvent très difficiles à s'approprier. Certaines d'entre elles posent un vrai challenge et vous pousseront à vos limites. C'est un aspect du jeu que je vais revenir tout à l'heure. Pour vous tenir en haleine encore plus, le jeu présente un mode arcade, où vous parcourez l'histoire du jeu en une seule joute, ainsi qu'un mode entraînement pour vous perfectionner avec les différents véhicules de Star Fox Zero. Parce que Dieu sait qu'il y a beaucoup de variétés à ce niveau. C'est pas The Crew 2 là, mais tout de même. Il y a plus de véhicules que dans Diddy Kong Racing, mettons. Les bons vieux Arwing et Landmaster font leur retour, c'est un peu évident là, j'avoue. Les deux engins ont les mêmes capacités et habilités que dans les opus précédents, mais avec un plus. Le Landmaster peut désormais voler pour un court moment en se transformant en Gravmaster. Le Gravmaster se contrôle comme le Arwing. Parlant du Arwing, il peut désormais se transformer, à n'importe quel moment, en Walker. Reposant en paille, Paul Walker. You be miss! Cette forme du Arwing est directement tirée de Star Fox 2, la véritable suite à Star Fox qui fut malheureusement cancellée. Mais qui revient sur la petite Super NES? En somme, le Walker est comme une petite bébite sur deux pattes. Un genre de kangourou de combat spatial. Avec des petites ailes de poulet. Cette forme est surtout utilisée pour naviguer dans les endroits restreints qui ne sont pas praticables avec l'Arwing. Me semble que j'oublie de quoi, là. Ah oui, le Gyrowing! On l'utilise tellement pas souvent que je m'en veux pas trop non plus. Cet engin est désigné pour les missions tactiques et d'infiltration. Il est accompagné d'un petit robot nommé iRobot. Cette petite machine est vraiment le maître des hackers, si vous voulez mon avis. Son principal rôle étant de hacker différents systèmes informatiques. Puis on peut le dire là, iRobot est vraiment cute. Accès au système! Accès au système! Puisque nous sommes dans le sujet des petits vaisseaux, je crois qu'il est finalement temps de parler des contrôles de Star Fox Zero. Et c'est un sujet plutôt touché. Je peux pas en dire trop parce que les contrôles d'un jeu vidéo, c'est un sujet tellement subjectif. Certains contrôles vont paraître hyper corrects pour certains et absolument douloureux pour d'autres. Mais j'aimerais tout de même apporter un point important. Les contrôles avec le gyroscope ne sont pas si pires que ce que tout l'internet peut vous faire croire. Come at me, bitches. Come on! Je veux dire, au début c'est vraiment weird, oui. Puisqu'on pense qu'il est absolument nécessaire de viser avec le gyroscope et la vue cockpit sur le gamepad. Mais non! Cette fonction augmente simplement la précision de vos tirs. Il faut voir cela comme un atout et non pas une nuisance. Les contrôles de Star Fox Zero sont, à mon avis, et encore là, je le dirai jamais assez, à mon avis, ingénieux et très instinctifs. Ils sont très bien pensés et peaufinés à fond.
Oui, parfois on se fuck un peu, mais j'ai jamais vraiment senti que c'était la faute du jeu, c'était plutôt de ma faute. De toute façon, c'est tellement facile de recalibrer le viseur, je sais pas pourquoi que le monde chiale, sérieux. Splatoon utilise le même système de contrôle et le monde trippe ben raide. Pourquoi pas Star Fox? Il faut tout de suite arrêter avec les maudites niaiseries du genre Regarde juste le gamepad, si bon, on peut pas voir ce qui se passe dans l'écran à TV. Oui, tu peux, calvaire. T'as juste à regarder à TV, hostie. Je dirais que mon expérience Star Fox Zero était 70% téléviseur et 30% gamepad. Car utiliser le gamepad est tout de même un atout très important. Surtout en combat ciblé où l'on se promène librement dans une arène de combat. Sérieux, je sais vraiment pas pourquoi que le monde chiale. Je sais vraiment pas. J'ai trouvé l'utilisation du gyroscope vraiment nice et innovateur. Les gens de chez Platinum Games ont su retirer toutes les capacités du Wii U Gamepad à leur avantage. Oui, c'est clair, ils auraient dû peut-être rendre ce type de contrôle optionnel au lieu de nous forcer ça bien profond, ce que je pense. Ils auraient dû d'ailleurs. Parce qu'au début, c'est vraiment frustrant. Mais avec un peu de pratique, je vous jure, vous allez triper. Star Fox Zero est un jeu très, très plaisant. Mais aussi très dur à maîtriser. Une chose est sûre, quand vous y arrivez, vous vous sentez carrément awesome. Je ne dis pas non plus que le jeu ne compte pas son lot de frustrations. Certaines missions ou batailles sont carrément impardonnables et vous demanderont beaucoup d'essais avant d'obtenir des résultats. Je me suis vraiment choqué à certains moments. Star Fox Zero a mis ma patience à sa limite. Par contre, c'est un bon type de frustration. Le jeu n'est pas injuste dans le seul but d'être injuste, et lorsque vous réussissez finalement le stage que vous aviez tant de misère à réussir, la satisfaction est vraiment abondante. L'action est au rendez-vous et plus intense que jamais dans un Star Fox. Les batailles spatiales sont vraisemblables et bien faites. J'ai trouvé par ailleurs que le jeu performait très bien. 1080p, je crois, est pratiquement locké à 60fps non-stop. J'ai connu quelques ralentissements, mais ils étaient très courts et très très rares. Graphiquement, Star Fox Zero est... ok. Les modèles 3D sont tout de même bien soignés, mais les textures semblent plutôt monotones. Tout dans Star Fox Zero partage le même espèce de filtre d'acier bizarre. J'ai vraiment de la misère à décrire ça, mais ça fait que tout dans Zero se ressemble un petit peu et rien ne ressort vraiment du lot. Ça m'a déplu en quelque sorte. Aussi, certains endroits comme Fortuna sont complètement dégueulasses. Les effets sont dignes de la PS2, puis c'est vraiment une honte de voir ça sur Wii U. La musique, tant qu'à elle, fait sa job. On a nos bons vieux classiques, les bonnes vieilles tunes, tu sais, mais aussi quelques nouvelles pièces qui, comme je l'ai dit, font leur job. C'est rien d'extraordinaire, mais ça s'harmonise très bien avec les différentes planètes et secteurs spatiaux du jeu. Finalement, le voice acting. Ah, ces bonnes vieilles lignes de dialogue fucking cheesy et complètement énervantes au mieux. Let's rock and roll! Le jeu contient une bonne poignée de ces narrations. Les voix françaises sont très bien et se prêtent extrêmement bien aux personnages. Et étrangement, je ne les ai pas trouvées si énervantes que ça cette fois-ci. Bon, il y a peut-être juste Sleepy, hein, qui m'a fait cringer une fois de temps en temps. Là. Et voilà, les forces d'Endros sont désormais affaiblies. Il est maintenant temps de répondre à la question fatidique. Star Fox Zero, c'est-tu le fun au final? Eh bien, la réponse est oui. Star Fox Zero est vraiment un bon jeu. Puis, même si les contrôles sont durs à prendre en main au début, ils sont, avec surprise, très très fun à maîtriser. Star Fox Zero est vraiment le fun. Donc, ayez donc un peu de patience avec ce jeu-là, guys, parce que Star Fox Zero, c'est le fun. Et avoir du plaisir, c'est vraiment tout ce qui compte.